أكيد كل واحد يعرف مدربين وكل الناس اللي تتبع كرة القدم، لازم شوية وقت بس اللاعبين يلعبوا مع بعض. وأكيد خاصة في أفريقيا لكرة القدم شوية تغير إلى كرة القدم اللي يلعبوها في أوروبا. على هذا الشيء لازم نكون صبروا شوية مع هذوك اللاعبين، وأكيد رايحين يدخلوا شوية وشوية في المجموعة، وإن شاء الله بالوقت وبالخبرة في أفريقيا ومع هذوك فريقنا إن شاء الله يكونوا أحسن وأحسن. ممكن ولا واحد يلعب، ممكن إلى يلعبوا ولا احنا نكونوا مأكدين اللي يكونوا في المستوى ويكونوا يلعبوا هذا ضد فريق كبير نفس مصر. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله يكونوا ان شاء الله في احسن وقت في المستوى. Oui, je l'ai répété plusieurs fois, c'était un match, c'était une équipe sur laquelle, puisqu'on avait joué quasiment, on a joué quasiment toutes les équipes du top 10 africain, donc plusieurs fois on avait organisé ou tenté d'organiser un match contre l'Égypte, sans fixer en plus de règles. On était très largement prêt à aller jouer en Égypte. On a plusieurs fois émis ce souhait-là. Ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. En tout cas, nous, de notre côté, on a tout fait pour. En tout cas, j'ai plusieurs fois dit à ma fédération, mais je pense pas que ce soit un souci de notre fédération. Voilà, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons que j'ignore. Tout simplement parce que, comme tu as pu le dire dans ta question, c'est l'équipe la plus titrée d'Afrique, je crois. C'est une équipe qui est toujours cohérente, même quand on a l'impression qu'elle traverse peut-être une petite période de flottement, je dirais même pas de crise, parce que je ne me misserais pas dans leurs affaires, mais en tout cas, où ils sont peut-être pas dans leur meilleur moment, ils sont toujours là. Ils étaient là à la finale de la Coupe d'Afrique, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose au pénalty d'ailleurs, non ? Au pénalty, donc c'est au coup du sort. Ça aurait pu très largement basculer du côté de l'Égypte. Ils ont perdu aussi au pénalty sur les qualifications Coupe d'Afrique, sur ce match de barrage contre le Sénégal. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours là en fait. Ils sont toujours là, et comme toutes les équipes au monde, sur certains matchs, on a l'impression que voilà, par exemple si on revient sur le match de la Tunisie, dernier match, ils ont perdu, mais voilà, il manquait la moitié de l'équipe, et puis ça reste un match amical. Mais à la fin, ils sont toujours là. Donc on va avoir une nouvelle fois une opposition de grande qualité, avec un adversaire aguerri à ce genre de match, qui sait se mettre au niveau quand il le faut. On sait qu'il y a énormément de pression, ou en tous les cas d'attente du côté de leurs innombrables supporters et leur population. Donc quand on leur met un peu cette pression là, ils savent se hisser au niveau. Donc on s'attend à un gros match demain. At Man City or in Saudi, I have the same focus for the national team. There's a really important and different feeling to play for the national team, whether I play in Europe or now I play in Middle East, in a new challenging league. But of course, compared to the Premier League, it's a bit different, but I'm still young and still I still feel very good and ready and a lot of how can I say, a lot of motivation to help my my country to try to arrive in the best possible conditions for the big tournament and the big games, even if we already won 4 years ago the African Cup. The thing I feel and which is still important for me and for the team is that we're still hungry to achieve more things and to have more success. So for me that's the most important. After we will see, inshallah. Thank you.
اشكر كابتن جمال والكابتن رياض وشكر وصول كابتن جمال. تفضل كابتن. انا الفلسفه اللي عندي في كره القدم هي دائما روح رياضيه. الى انا عارف على التاريخ بين هذو الفريقين. اخر مره اللي عملناها كانت في 2010 ومدرمان. هذه تاريخ و البلدان يبقاو بلدان خاوه. وكره القدم هي الرياضه ماشي 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 حرب. اكيد فيها حماس، اكيد هي كلاسيكو تاع افريقيا الشمال افريقيا. هذه ما في با كونتراديكسيون، ما في نقاش بين هذا الشيء. اكيد بكره نكون ان شاء الله في كنا الحماس في الملعب. حنايا ولا مصر نعرفهم، هما حتى هما عندهم هذا الروح، وعندهم روح القتال. واكيد احنا ايضا ان شاء الله ما في ولا مشكله على هذا الروح الرياضيه. دائما انا نحب الروح الرياضيه، ولكن هما يحبوا يفوزوا وحنا نحبوا نفوزوا. وان شاء الله من بعد المباراه كل شيء اوكي.